Déjà là, mon ange, je ne suis pas encore mort. Non, mais j'ai l'impression que ça ne devrait pas tarder. Peut-être, mais si tu veux bien m'excuser, il me reste encore un travail à finir. Un travail? Et tu espères faire quoi dans l'état où tu te trouves? Tu n'arrives même plus à tenir ton arme. Qui vivra verra. Mais ce truc ne mourra pas tant que je ne lui aurai pas tiré dessus deux ou trois fois. Bon sang, raté! Tiens, prends ça! Ah. Et lui, alors? Il est mort. Vraiment? Je te remercie. J'imagine que c'en est fini pour moi. Et mon ange, je sais que tu ne vas pas m'emmener au ciel, mais tu pourrais prier pour moi, au moins. Non, mais ça va pas, la tête. Tu crois vraiment que je vais prier pour toi? Enfin, je te dois bien ça. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Chacun son tour. Ferme-la! Et retiens-toi! Allez, on y va. Allez, lève-toi! Sinon, je te laisse ici. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai plus mal du tout. Je suis guéri. Et alors? Oui? Je t'ai guéri. Et après? Toi? Toi, tu m'as guéri? Mais j'étais presque mort. Incroyable! Alors tu es réellement un ange? Ne sois pas ridicule. Tu crois vraiment qu'il y a des anges sur cette terre? Je n'ai rien d'un ange. J'ai juste quelques pouvoirs de guérisseuse. Je m'appelle Edward Plunkett. J'ai l'air un peu louche, je sais. Mais toi non plus, tu ne respires pas l'honnêteté. Je ne suis pas comme toi. Et les gens comme toi n'ont rien à faire ici. Pourquoi es-tu venu? C'est à cause d'une rumeur. Une rumeur? Oui. À Londres, j'ai entendu dire qu'un fils de riche avait acheté un vieux monastère. Et qu'il avait dépensé une fortune pour en faire sa demeure. Et il paraît même qu'il a fait venir pas mal de filles. Il a l'air de se payer du bon temps. Et où est-il, ce monastère? Et c'est ce que je cherche à savoir. J'ai fait tout ce chemin pour inculquer la crainte de Dieu à ce gros fils de famille. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Et j'ai été attaqué par ce monstre. Il a failli me tuer. Une seconde de plus, j'étais au fond de son estomac à chanter des cantiques. Je n'aurais jamais dû acheter un aussi bon cheval. Il est trop rapide. Dommage, il t'aurait plu, des cantiques. Quand j'étais petit, j'avais une belle voix de soprano. Tais-toi un peu, ou je te laisse ici. Je m'appelle Koudelka. Alors écoute-moi bien, parce que je ne te le dirai pas deux fois.
Si tu veux sortir d'ici vivant, ne me quitte pas d'une semelle. Compris ? Mmh. Merci du conseil, Koudelka.
Nous avons rarement le plaisir de rencontrer des voyageurs dans notre contrée si austère. Il n'y a vraiment rien à voir ici. Il fait très froid dehors, n'est-ce pas? Nous n'attendions personne. Nous n'avons que de la soupe, mais prenez-en autant que vous voulez. Mais n'hésitez pas. Merci, ça sent très bon. Vous n'en voulez pas? Vous n'aimez pas la soupe? Si. Seulement, je n'ai pas très faim. Mais je vous remercie de votre hospitalité. Je vous en prie. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Nous vivons tout seuls ici. Et c'est si rare d'avoir de la visite. Donc vous êtes vraiment les seuls à vivre ici? Et pourquoi cette question? Avec le brouillard, je n'ai pas pu voir grand-chose, mais ce bâtiment ressemblait à une grande église. Ce doit être un peu grand pour vous deux, non? C'est vrai. Au IXe siècle, un saint homme venu d'Irlande, Daniel Scotius, a bâti ce lieu de culte pour calmer les monstres et les esprits maléfiques. C'est ainsi qu'est né le monastère Nemeton, du moins c'est ce qu'on raconte. Des monstres? Vraiment? Eh oui, des monstres. Et pourquoi? Eh bien, ça va vous étonner, mais on a croisé un monstre sur notre chemin. Alors, vous l'avez vu aussi? Comment ça? Ça fait longtemps qu'il traîne par ici? Eh bien, nous nous occupons de ce monastère depuis des années. Mais cela fait 6 mois environ que des monstres sont apparus. Et il en surgit de plus en plus. Avant, j'étais marin. Les monstres ne me font pas peur. Mon Dieu! Et s'il vous arrivait quelque chose? On a failli y passer tout à l'heure. Et on n'a plus de munitions. C'est dangereux. Les monstres pourraient bien remettre ça. Je vais vous en donner. Merci, c'est très aimable. Quand quelqu'un est dans le besoin, il est toujours là. Et vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, ça fait un certain temps. Il passe sa vie à peindre et à réparer cette vieille bâtisse. Ça l'occupe. Mais dans sa jeunesse... Merci, Ogden. Je vous revaudrai ça. Ça, ça nous fera un excellent repas. Prenons-en avec nous. C'est incroyable. Tu as encore faim? J'ai passé 3 jours sans rien manger et sans rien boire. Bien sûr que j'ai faim. Quand je pense que toi, tu as refusé cette bonne soupe. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi? J'en aurais bien mangé si elle n'avait pas été empoisonnée. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, si cette soupe n'avait pas été empoisonnée, j'en aurais bien mangé. C'est clair? Empoisonné? Mais non! À peine. J'ai senti l'odeur d'une plante vénéneuse. Oh! Et qu'est-ce que... Oh! Je peux te dire ce qui va se passer. Dans une demi-heure, tu seras complètement paralysé. Et si tu ne trouves pas un antidote, tu y passes. Oh, alors, ils voulaient nous tuer. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Mais je crois qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils doivent cacher quelque chose. Écoute, Edward, je vais essayer de te soigner. Mais il faut me promettre qu'après, tu n'iras pas t'énerver et te précipiter chez le couple de gardiens. Il vaut mieux se faire passer pour mort et aller explorer cet endroit. À mon avis, on ne regrettera pas la promenade. Thank you.
Oh, ma tête. Oh. Qu'est-ce qui... Ah. Ah oui. Oui, je me souviens. Un monstre. Oh. Qui diable êtes-vous ? Hé ! On vous sauve ? Et c'est comme ça que vous nous remerciez ? J'ignorais que, de nos jours, les voleurs venaient au secours des inconnus. Espèce de... Oh. Je m'appelle Koudelka. Et voici Edward. Que vous est-il arrivé pour vous retrouver dans cet état ? Je m'appelle James. James O'Flaherty. Je fais des recherches, et elles m'ont conduite à ce monastère. Je ne me doutais pas qu'il était devenu un repère d'esprits démoniaques. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Par l'entrée principale, bien sûr. Les gardiens m'ont accueilli à bras ouverts. Ah oui, ce fameux couple. Oui. Et votre repas ? Il n'était pas empoisonné ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez perdu la tête. Les gardiens ont tenté de nous empoisonner. Vous n'êtes pas drôle. Comment osez-vous vous jouer d'un fervent défenseur de la foi chrétienne ? Donc, il ne vous est rien arrivé ? Bien sûr que non. Jusqu'à ce que je rencontre ce monstre. Oui. Et sans nous, vous auriez fini en charpie. Notez que je n'attends aucune gratitude de votre part. Je vois. Si j'en crois votre allure, vous n'auriez jamais pu écarter ce monstre par la seule force de votre foi. Ce genre d'incident ne se règle pas avec des prières. Ah. Regardez cette fontaine. Elle est en ruine. Mais il y a peu, il en jaillissait de l'eau bénite. Ah. Dieu Tout-Puissant. J'ai été faible. Mais donne-moi la force de repousser ces monstres. Bon, je crois qu'on perd notre temps ici. Allons-y, Koudelka. Un instant. Même si je jouis de la protection divine, mieux vaut me prémunir contre le mauvais sort. Je vous accompagne.
Thank you.